bienvenue, chers amis scorpions, pour la série Lumière en soi pour le novembre-décembre 2021. Donc, nous allons regarder ensemble une préoccupation, une situation, en tout cas ce que le tarot voudra bien partager avec nous. Pour faire ce tirage, je vais un petit peu changer ce que je faisais jusqu'ici. Notamment, je vais faire le tirage en direct en même temps que l'interprétation. Donc, ce n'est pas un changement extraordinaire. Mais voilà, ça nous permettra de découvrir les arcanes ensemble. Et donc, dans un premier temps, j'utiliserai ce jeu-là pour en fait procéder à ce tirage initial de 4 arcanes. Après, une fois que j'aurai fait ce travail en fait de tirage, je procéderai à, grâce à ce jeu-là, je procéderai en fait à un autre tirage pour compléter un petit peu le message, hein, afin de mieux le cerner, afin de mieux le saisir. Pour voir quels sont les conseils du tarot, j'utiliserai ce jeu-là. Donc c'est un magnifique jeu, hein, qui nous permettra de voir les conseils que souhaite nous passer le tarot. Et à la fin, je vous proposerai un conseil de l'oracle des 13 lunes qui nous permettra d'aller un peu plus loin dans la réflexion et les conseils à avoir. Donc on va passer directement au tirage des différents arcanes qui concernent le mois de novembre et décembre 2021. On va regarder d'abord ici ce qui sera au cœur de ce message, au cœur de votre tirage pour vous, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, comme vous le savez, ici on est face à une énergie assez mûre, assez mature, et notamment une énergie qui concerne surtout et avant tout les émotions, la vie affective. Au sens large du terme, comprenez la vie affective au sens très large, parce qu'il s'agit bien sûr ici de la vie affective, émotionnelle. Ça peut être une relation avec vos amis, avec votre famille, avec bien évidemment votre autre, c'est-à-dire votre partenaire de vie. En tout cas, entendez au sens large tout cela. Ici, ce qui sera vraiment votre préoccupation première, c'est de retrouver cette énergie du roi de coupe, c'est-à-dire une certaine maturité dans vos relations, dans votre vie émotionnelle, c'est-à-dire ne pas être effrayé, en tout cas déstabilisé par vos émotions, quelles que soient les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Vous souhaitez, vous aimeriez en tout cas les regarder bien en face, les regarder avec beaucoup d'attention, sans les juger, puisque un roi de coupe ne juge pas ses émotions, parce qu'il sait très bien que toute émotion a sa raison d'être. Toute émotion, en fait, est là pour nous donner des indications sur notre état intérieur. Par exemple, la colère nous indique que nous ne sommes pas en accord avec quelque chose. Donc, ce n'est pas négatif, la colère, la peur ou toute autre émotion. Bien évidemment, les émotions de joie et de plaisir, c'est bien plus agréable. Mais toute émotion est là pour nous donner des indications sur ce que veut nous dire notre inconscient. Donc ici, pour vous, votre préoccupation sera vraiment liée à cela. Votre défi, waouh, votre défi, il est à 3 d'épée. 3 d'épée, c'est-à-dire à transmuter, à dépasser une blessure d'humiliation très 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 profonde. Donc ça ne me surprend pas maintenant que votre préoccupation va être de retrouver cette énergie du roi de coupe, puisque en fait cette période va vous amener à travailler sur une blessure très très profond, notamment une blessure d'humiliation, une blessure qui vous a fait tellement souffrir, qui vous fait souffrir peut-être encore. Donc ici pour vous, le défi sera de la transmuter, d'être dans la résilience, de la dépasser, cette blessure, pour aller au-delà, pour regarder bien ses raisons d'être et pour en faire quelque chose. Vraiment, là j'ai l'idée, le mot d'or, pour transformer cette blessure en or, pour la transformer en quelque chose de beaucoup plus positif, en quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous, en quelque chose qui va vous permettre en fait de bâtir un avenir bien plus solide, bien plus intéressant pour vous et beaucoup plus
profitable à votre cœur, à votre âme. C'est vraiment très très beau en fait. Même si ici, même si nous avons cette énergie très lourde, très dure de souffrance, donc il y a des moments où ça va être très compliqué pour vous, mais dites-vous que la transmutation de cette blessure va vous conduire vers quelque chose de beaucoup plus apaisé émotionnellement, où vous allez oser enfin vous confronter à cette blessure pour la transformer et pour lui donner beaucoup plus d'assises, beaucoup plus d'or et de vie. Voilà, c'est vraiment les expressions qui sont là, qui sont présentes et que j'entends. Donc, ça veut dire que c'est finalement une chance pour vous, cette période du mois de novembre-décembre, pour transformer cette blessure, quelque chose qui vous a fait souffrir, quelque chose qui vous a fait mal, quelque chose qui vous a vraiment posé de nombreuses questions. En fait, ça va vous permettre d'aller au-delà de cette blessure pour en fait en faire un terreau très fertile pour votre avenir. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ? Alors, ce qui va vous aider, c'est cette fameuse reine d'épée. La reine d'épée est une énergie, justement, qui n'est pas dans la souffrance, qui a souffert, en fait, puisque la reine d'épée est une énergie qui, ayant connu une souffrance très profonde, très difficile, a décidé de ne pas se préoccuper de sa vie émotionnelle, a décidé justement de ne pas se laisser porter par cette souffrance, de ne pas se laisser porter par ses émotions. Elle, ce qui compte pour elle, surtout, c'est son mental, c'est la réflexion, c'est l'analyse, c'est de mieux comprendre les choses. Et donc, ce qui va vous permettre ici de retrouver ce roi de coupe, c'est-à-dire de rentrer dans cette énergie du roi de coupe, c'est justement de regarder de manière très détachée, analytique, votre blessure. Bien sûr qu'il y aura des moments où vous allez souffrir, mais essayez d'aller au-delà de la souffrance. Essayez d'aller au-delà de ce qui se présente à vous immédiatement. Bien sûr, laissez la souffrance s'exprimer, mais ne laissez pas que la souffrance s'exprimer. Essayez de comprendre en fait ce qui se cache derrière cette souffrance. C'est pourquoi la vie vous a confronté à cette souffrance-là. Qu'est-ce que ça va vous permettre en fait de construire par la suite? Qu'est-ce que ça va vous permettre en fait de produire par la suite? Cette souffrance n'est pas inutile. Justement, donner une certaine valeur à cette souffrance, d'où l'idée de l'or, le mot or, c'est-à-dire donner une certaine lumière, mettez en lumière cette souffrance pour lui redonner quoi ? Pour lui redonner une valeur pour que cette souffrance ne soit pas inutile, pour qu'elle vous serve en fait pour la suite, pour construire votre avenir et votre vie. Où est-ce que vous vous dirigez ? Yes, vous vous dirigez vers le 10 de bâton, c'est-à-dire à la fin du mois de décembre, même début mois de janvier, vous allez, grâce à cette analyse, grâce à cette confrontation directe, mais surtout analytique face à cette souffrance, grâce à cette transmutation, vous allez pouvoir déposer un fardeau qui est très très lourd. Donc cette souffrance, elle vous colle à la peau depuis un certain temps, elle vous colle en fait depuis beaucoup de mois, c'est peut-être même une dizaine de mois, enfin ça fait un certain temps qu'elle est là cette souffrance. Et vous allez pouvoir enfin la déposer, vous allez pouvoir enfin vous débarrasser et vous allez pouvoir repartir vers votre avenir, vers votre vie avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus de simplicité et surtout, j'allais dire, un cœur allégé, un cœur qui retrouve toute sa splendeur, toute sa beauté, toute son innocence en fait. Et c'est ce qui va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles relations, à une nouvelle vie affective. Donc justement, regardons, on va préciser maintenant cette énergie du roi de coupe, regardons ce que ça nous dit. Oui, ah oui, votre préoccupation sera à faire un bilan, analyse, voilà, ça résonne ici avec notre reine d'épée, puisqu'on a le 7 de denier. Comme vous pouvez le voir, cette jeune fille, elle est venue pour récolter un certain nombre de choses. Ici, on vous invite en fait à récolter un certain nombre d'informations, à les regarder de plus près, à analyser, à réfléchir, à faire un bilan de ce qui se passe pour retrouver justement cette énergie du roi de coupe, c'est-à-dire quelqu'un qui regarde avec un certain détachement
ses émotions sans avoir peur à s'y confronter, parce qu'il sait que ce n'est qu'une étape dans son processus, ce n'est qu'une étape dans son évolution, parce que ça va lui permettre d'aller plus loin et notamment de déposer ce fameux fardeau que vous pouvez avoir, que vous avez pu avoir ces dernières années ou ces derniers mois. Voilà, très très bien. Alors, ça nous dit, et c'est vraiment, ça confirme mon ressenti de tout à l'heure, c'est-à-dire que cette blessure, en fait, sa compréhension, l'analyse que vous allez en faire, va vous permettre d'initier quelque chose de nouveau de manière matérielle et concrète, puisque vous avez ici le valet de denier. Le valet de denier est une énergie très très jeune, mais vous voyez qu'il se tourne pleinement vers l'avenir. Donc dites-vous que cette souffrance que vous allez vivre courant novembre-décembre, qui va ressurgir pour vous à un moment donné dans cette période-là, ça va vous permettre de vous tourner pleinement et complètement vers l'avenir et de concrétiser quelque chose au niveau affectif, au niveau émotionnel, de manière assez concrète et matérielle. Et bien décidément, voilà la jeunesse qui débarque. Vous avez votre valet ici, le valet de denier, accompagné de ce valet d'épée. Le valet d'épée, sa particularité, c'est comme le valet de denier, c'est une énergie très très jeune, mais sa particularité que lui, il est plus dans le mental. Ça nous confirme ici. Ça nous confirme ici que vous avez besoin de votre mental, que vous avez besoin de l'intelligence, détachement, de la prise de recul par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qui se passera pour vous dans ces 2 mois. Et en fait, ça va vous permettre d'apprendre à mettre au service votre mental, au service de votre vie affective, au service de la compréhension, au service d'une prise de recul, au service de l'avenir. En fait, vous allez apprendre, puisque le valet d'épée, il apprend, il comprend, il se forme en fait à mieux utiliser votre mental pour prendre du recul par rapport à des blessures, par rapport à votre vie affective, par rapport à l'affect. Ça va vous permettre de vous détacher, donc vous allez apprendre sur cette période-là, avec ces 2 mois, vous allez apprendre à mieux gérer, à mieux prendre en considération votre mental au service de votre vie affective et au service de soigner des blessures, soigner surtout une blessure très 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 profonde qui en fait est là depuis un certain temps. Donc vous allez initier des soins, vous avez initié une prise en charge de ces blessures que vous avez pu voir et ça va vous permettre d'aller vers un avenir bien plus allégé certainement pour l'année prochaine, c'est-à-dire 2022. Yes. Vous avez ici le 6 de denier. Le 6 de denier nous parle du partage. Donc, partagez cette lourdeur, partagez ce que vous avez eu à porter, partagez tout ça pour, en fait, en partageant, en le disant aux autres et notamment en le soumettant à d'autres point de vue et à d'autres personnes que vous-même, ça va vous permettre en fait de déposer ce fardeau, de déposer cette lourdeur pour vous alléger de votre propre blessure et de cette souffrance. Pour vous alléger de la souffrance en fait ici, on vous conseille de dire, de partager avec les autres ce que vous avez vécu, ce que vous avez pu vivre. Si vous ne vous sentez pas encore capable de formaliser face à quelqu'un cette idée-là, vous pouvez la partager en fait par écrit. Vous pouvez rédiger un petit peu tout ce que vous ressentez, faire ressortir cette souffrance par écrit, parce que rien que de dire par l'écrit face à vous-même, de formaliser, de concrétiser les choses, puisque la parole permet aussi de concrétiser les choses, ça va vous permettre de prendre de la distance. Parce que tant que vous ne l'exprimez pas, tant que vous ne le dites pas, tant que vous ne formalisez pas cette souffrance, elle ne s'en ira pas. Elle s'en ira que seulement au moment où vous allez être en capacité, en fait, de la dire, de l'écrire. Ici, vraiment, je vous vois écrire cette souffrance. Je vois une personne qui est en train de écrire un peu au kilomètre, vous voyez, quelqu'un qui se défoule sur papier, quelqu'un qui se défoule sur une feuille blanche et qui, par ce défoulement-là, s'allège d'une blessure, d'une souffrance. Alors, quel est le conseil? Alors, le conseil du tarot est d'abord 8 de bâton, c'est-à-dire communiquer, communication, parole,
dites les choses. En faisant ce bilan, vous allez pouvoir en fait dire les choses. Et rien que le fait de les dire à soi, de reconnaître à soi déjà qu'on a été blessé, qu'on a eu cette blessure, ça nous permet déjà de prendre du recul. Ça nous permet déjà de faire un pas de côté et de dire « oui, tu as été victime ». Donc, se reconnaître à soi cette situation qui s'est passée pour vous, ça va vous permettre déjà d'être dans le soin, d'être dans la résilience face à cette blessure. Vous avez... Page de Pentacle, c'est-à-dire le Valet de Pentacle, Valet de Pentacle. Si on peut dire que ici, doublement, on vous conseille d'initier quelque chose par rapport à cette blessure, peut-être de concrétiser, notamment par une thérapie, par une recherche thérapeutique, de mettre un terme à cette souffrance, mettre un terme à cette souffrance par une approche thérapeutique, que ce soit vous qui écrivez quelque chose, vous qui mettez sur papier quelque chose, ou vous qui allez chercher de l'aide auprès des professionnels. Ici, on vous demande d'initier, de concrétiser quelque chose pour sortir de cette souffrance, pour sortir de cette blessure qui a dû être vraiment très très profonde et très difficile, très douloureuse. Là, j'ai mon cœur qui se serre, hein. Je pense que vous avez dû souffrir et que vous souffrez encore. Alors, 6 de coupe ici, qu'est-ce que vous devriez analyser? Vous devriez analyser votre passé, vous devriez regarder avec beaucoup plus de détachement et avec moins d'émotion, puisqu'on est là, n'oubliez pas qu'on est sur nos épées, avec beaucoup plus de détachement et une certaine prise de recul, de regarder vos émotions et surtout vos émotions du passé. Parce que je crois bien ici que cette émotion provient de votre passé, peut-être même de votre enfance, puisque le 6 de coupe représente l'enfance. Donc allez voir d'où vient cette humiliation, d'où vient cette blessure du passé, quelle est la situation, qu'est-ce qui a provoqué chez vous ce mal-être, qu'est-ce qui a provoqué cette souffrance, et en mettant le doigt là-dessus, notamment en travaillant de manière analytique là-dessus, ça va vous permettre de vous détacher et de la mettre définitivement derrière vous, définitivement dans le passé, et en fait, en retirer des leçons pour la suite de votre vie, pour la suite de votre vie, notamment affective, parce que je pense qu'elle a dû vraiment influencer énormément votre vie affective. Écoutez, les amis scorpions, le message est toujours le même. Vous avez à nouveau 6 de deniers, 6 of pentacles. C'est exactement la même énergie que ce 6 de deniers que nous avions tout à l'heure, c'est-à-dire partager. Partagez, dites les choses, partagez avec quelqu'un, ça va vous permettre de vous délester d'une souffrance très très profonde et qui vient de très très loin. Et au dos de deck, nous avons As de denier, c'est-à-dire un nouveau départ. Si vous partagez, si vous réussissez à prendre en charge de manière structurée et construite cette blessure, ça va vous permettre d'initier un nouveau départ dans votre vie qui va être très prometteur et très valeureux. Il y a de la valeur, notamment de la valeur ici liée à votre vie émotionnelle. Justement, que nous dit la lune, c'est-à-dire les 13 lunes? On a le 3, le pendule. Mes arabesques vibrent au son de vos vérités, parfois insoupçonnées. Que vous dire sinon que c'est exactement ce que j'ai ressenti depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a une blessure que vous n'avez pas suffisamment regardée et en fait c'est le détachement de cette souffrance qui va vous conduire à retrouver votre authenticité, votre vérité, une vérité émotionnelle que vous n'avez peut-être même pas soupçonné, que vous n'avez même pas pu imaginer. Donc, regardez, si je peux vous donner un seul conseil ici, à prendre ou à laisser, bien évidemment, tout dépendra si ce message vous parle, c'est aller regarder de plus près une blessure du passé, une blessure qui vous a été très très fatale, j'allais dire, au plan affectif, et en regardant droit dans les yeux cette blessure, ça vous permettra de vous en délester et de vous en débarrasser
pour de bon et en tirer que le meilleur de cette blessure pour initier un nouveau départ dans votre vie affective qui va vous conduire à beaucoup plus de richesse et à une certaine abondance émotionnelle et surtout relationnelle. Voilà, chers amis Scorpion, j'espère que ces quelques paroles vous aideront à aller au-delà de vous-même et surtout vous aideront à transmuter cette blessure qui est vraiment, vraiment, je pense, souffrante pour un certain nombre d'entre vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très, très bientôt pour d'autres lectures. Merci de votre visite.